comté de Laurier-Sainte-Marie. Monsieur le Président, le Tribunal constitutionnel de la République dominicaine a rendu un verdict qui a pour effet de retirer la nationalité dominicaine à bon nombre de personnes nées dans ce pays et notamment à beaucoup de personnes d'origine haïtienne. Ce jugement va à l'encontre du droit international et suscite un tollé partout dans le monde. Pourtant, le gouvernement canadien, lui, est resté étrangement muet. Monsieur le Président, les Haïtiens de Montréal ont créé un groupe de pression pour attirer l'attention. Est-ce que le gouvernement va les appuyer? Oui. Thank you very much, Mr. Speaker. Obviously, we're following this issue tremendously closely. I'm very committed to work with my colleague and friend opposite on what we might do to provide support and assistance to these individuals.